Bien, bonjour à toutes et à tous pour la deuxième séance de cross-training dans la salle 3S. 3S parce que sportive, sociale et solidaire, évidemment, en ce moment, avec toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer de par la propagation du coronavirus. Je vous souhaite la bienvenue pour celles et ceux également qui n'étaient pas présents sur la première séance. Donc, je vais rapidement me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Benoît Tandargue et j'ai été à l'équipe de France de judo, entraîneur national pendant 15 ans. Et puis, fort de cette expérience, j'ai souhaité quelque part devenir entraîneur national des publics éloignés du sport, notamment et en particulier les entreprises et les quartiers politiques de la ville. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu la représentation du matériel qu'on amène au sein des quartiers. Mais ce n'est qu'une représentation parce que l'objectif de cette séance, c'est vraiment de n'utiliser aucun matériel, justement pour celles et ceux qui ne sont pas équipés. Et c'est vraiment ça l'objectif. Une petite recommandation, si vous avez des symptômes ou des difficultés cardio-respiratoires, essayez de ne pas comment dire, donner trop d'intensité sur cette séance ou alors tout simplement se mettre au repos parce que évidemment quand on a des difficultés physiques, c'est pas forcément recommandé de les accentuer au travers d'une séance de sport. Voilà, alors le sport évidemment ben, c'est aujourd'hui un spectre à 360 degrés, l'emploi avec Passeport pour l'emploi, 100% de retour à l'emploi. C'est l'éducation au sein des établissements scolaires. C'est la santé et le lien social. Et aujourd'hui, au travers de cette séance distancielle, nous avons pratiqué, créé aussi du lien social, tous réunis autour de cette prévention du coronavirus. Avec évidemment, comme vous le savez, ben, tout ce qui est prévention au niveau de la transmission des virus et puis les masques, les gants. Et puis pour la séance, la petite gourde pour boire régulièrement. Voilà, bienvenue à tous. Je salue la présence de certains amis qui se reconnaîtront. Et puis les participants du Cheese and Sport Truck Saint-Maurien qui habituellement font une séance à l'extérieur grâce au Cheese and Sport Truck. Et aujourd'hui, ben, on ne les a pas abandonnés puisqu'on est là aussi pour eux et pour tous ceux avec qui on collabore toute l'année. Trêve de bavardage, donc le programme déjà, ça va être composé de quatre parties. Une première partie qui est du stretching évidemment avec 10 exercices. On va s'habituer à tourner autour de ces 10 exercices maintenant. Avec une partie renforcement musculaire, très important, la fonte musculaire démarre à partir de 30 ans et puis s'accentue au fil des années et s'accélère à partir de 50 ans. Et plus après, donc j'en fais partie, c'est pour ça que je suis très motivé pour m'entretenir. Une partie également à la fin cardiovasculaire pour celles et ceux qui souhaiteraient prolonger un petit peu l'intensité, mais soyez très vigilants avec vos capacités physiques du moment. Je vais repousser le tapis qui ne sert strictement à rien. On n'a pas besoin de tapis, on n'a pas besoin d'espace. Et on va se positionner sur une surface de 2 mètres carrés tout simplement, qui est amplement suffisante pour faire une séance de sport dans son appartement ou à la maison, avec simplement une serviette. Voilà, un petit porte-bonheur, c'était la serviette des Jeux Olympiques de Londres, que j'ai conservée depuis et qui me sert de serviette tout simplement pour poser mes genoux. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un espace important non plus si vous avez un tapis. Juste un carré de serviette de 30 cm carré suffit. Donc il suffit de poser le genou. Et là, on va travailler sur les étirements dans la prolongation de la dernière séance pour celles et ceux qui l'ont faite. Avec 10 exercices en rotation, on va tourner en étoile pour que ça soit facile à retenir. Et surtout pour passer au crible toutes les parties du corps. Donc ça commence par une partie fente avant ici avec le bassin qui avance vers l'avant. Voilà. On va rétroverser le bassin, c'est-à-dire positionner le bassin en sens contraire de la cambrure des reins. Voilà. Et là on va venir en partie opposée pour déverrouiller le bas du dos. Donc, à l'amont de la séance, on va
pas faire durer les exercices d'étirement trop longtemps. On prendra un peu plus de temps à la fin. Et ce qui sera important, évidemment, ce sera de le reproduire éventuellement chez vous en autonomie. Voilà, donc on se redresse tout simplement et là on va passer sur la partie arrière et descendre légèrement sur l'arrière pour tendre la jambe avant. On va positionner les deux mains au-dessus du genou, ici en bas de la cuisse, et descendre avec le dos plat, ce qui va étirer toute la partie ischio-jambier qui est un petit peu en arrière. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai eu des remarques à ce sujet-là et je les entends, je les comprends, donc je vais essayer de parler légèrement plus fort. Voilà, une fois qu'on est là, on va se redresser à nouveau et on va placer la jambe sur le côté. Donc on était ici, on ramène le pied, on place la jambe sur le côté ici pour positionner le bassin, voilà, entre les deux genoux et pas sur la jambe. Voilà, je vais décaler un petit peu avec le talon posé au sol, les orteils vers le haut et là je descends doucement vers l'arrière. Donc une fois qu'on est là, on va repositionner le genou au sol, ramener la jambe sans bouger la position des genoux. On va pousser en arrière pour bien étirer le bassin qui en a bien besoin, dû au manque d'activité physique du moment. Voilà. Dans la position, on va écarter légèrement une main et on va tendre le bras à 45 degrés ici. Donc on est à 90, on va le mettre à 45 degrés au sol, tendu et regarder côté opposé. On descend bien bas. Voilà, sixième mouvement ici. Pareil de l'autre côté, on écarte légèrement le bras fléchi vers l'extérieur. Et surtout, on regarde du côté opposé, toujours pour déverrouiller les articulations. On se redresse. Et ici, on relâche le dos, tout simplement. Et je passe mon carré de serviette sur l'autre genou, ici. Et on va faire exactement la même chose en miroir sur le côté opposé. On pousse le bassin légèrement en arrière. On va se redresser à nouveau et repartir sur le même mouvement qu'on a produit au début, qui était le numéro 2. Là, on est au numéro 8. On va avancer à nouveau en fente avant, stretching numéro 9, et on va tourner le buste du côté opposé. Donc numéro 9, et on va passer au numéro 10, on se met à genoux. Ici, on va ramener les mains, les doigts du côté des genoux, et on va étirer ici les avant-bras. Très bien, on va refaire exactement la même chose mais un peu plus rapidement pour bien mémoriser ces 10 exercices. Donc on était jambe droite redressée en avant. On y va, numéro 1. On pousse vers l'avant. Numéro 2, on se redresse, jambe tendue vers l'arrière. Numéro 3, on ramène le pied et on vient ici sur le côté. On n'est pas obligé de faire un écart complet. Numéro 4, on pose le genou, on ramène le talon, on pousse le bassin en arrière avec les jambes parallèles. On se redresse légèrement. Numéro 5, bras tendu au sol, regard à l'opposé. Numéro 6, même chose de l'autre côté. Numéro 7, ici, un écart
sur une jambe. Talon au sol, pointe des pieds vers le haut pour ne pas abîmer le ligament latéral interne. Numéro 8, on se redresse, on ramène une jambe à l'avant, tendue. Numéro 9, ici, en fente avant, buste à l'opposé. On n'oublie pas de bien respirer pour redonner l'amplitude à la cage thoracique. Et numéro 10, ici, au niveau des avant-bras. Alors, je vais vous ressolliciter encore une fois, en allant encore un peu plus vite pour à nouveau mémoriser. Donc, numéro 1, ici. On pousse vers l'avant. Numéro 2, en arrière. Numéro 3, latéralement. Numéro 4, étirement des hanches. Numéro 5, bras droit. Numéro 6, bras gauche. Numéro 7, jambes, écart. Numéro 8, ischio-jambier. Numéro 9, adducteur, fente avant. Et numéro 10, les avant-bras. Très bien, alors maintenant on va mobiliser le corps progressivement. Alors la séance est toujours progressive. Alors je sais qu'il y a des super sportifs qui nous regardent, mais le but c'est vraiment de se mobiliser, faire de l'activité physique. Alors pour faire du cardio à l'extrême, ben, on peut utiliser plein de choses. Donc c'est pas le but vraiment de la séance. Le but de la séance c'est se sentir bien pendant le reste de la journée. C'est vraiment l'objectif, la santé, le bien-être. Et puis avoir quelque part de l'enthousiasme par rapport au monde qui nous entoure et qui est un petit peu particulier en ce moment. Donc on va mobiliser d'abord les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va pivoter toujours le bassin avec le haut du corps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va repartir en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va se mettre sur le côté, sur le plan sagittal. On va tourner légèrement sur le côté, revenir et repartir de l'autre côté. Voilà, toujours en étirant cette partie-là, les intercostales notamment, qu'on ne fait jamais, notamment au bureau ou chez soi. Donc sur le côté, 3, 4 et 5. Alors maintenant on va essayer de travailler au niveau des cervicales en donnant pareil de l'amplitude articulaire. 3, 4 et 5. L'amplitude articulaire est très importante. On est souvent devant un écran, une position assise, et il est important de remobiliser les articulations. On le fait ici, mais c'est important de le faire aussi au bureau, quand vous reprendrez le travail, bientôt j'espère. Et donc toutes ces parties-là qui paraissent anodines, ou qui paraissaient anodines au début du siècle dernier, où on faisait 8 fois plus d'activité physique, aujourd'hui sont très très importantes, et c'est une cause de santé publique notamment. Donc on repart de l'autre côté. 1, 2... 3 et 4. On va repartir à nouveau sur la proprioception, sur une jambe. Voilà, on va travailler un petit peu l'équilibre ici. Voilà, on descend un petit peu le centre de gravité. Et on va, toujours pareil, même schéma, ramener la jambe opposée sur la main opposée ici. Voilà, et on va essayer de bien étirer le psoas iliaque. C'est un muscle qui part du bassin jusqu'aux intercostales. Au niveau des côtes, c'est un long muscle qui permet de positionner le bassin, donc c'est important de l'étirer. Et ici, on fait sur un mouvement, sur un exercice, on fait on travaille sur trois parties. La partie renforcement, la partie équilibre et la partie stretching. Donc c'est un mouvement qui est très intéressant et très très utile. Donc on change, on passe de l'autre côté, ici. Voilà, tac. Une petite arabesque au passage. Avec une petite flexion.
Ok, alors on va faire un petit travail de flexion latérale ici, sur le côté. On va descendre légèrement sans aller jusqu'en bas. 2, 3, 4. Vous voyez que ça monte un petit peu avant le renforcement musculaire. 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, maintenant on va faire des petits demi-squats vers l'avant, ici, 1, 2, toujours talon au sol, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va démarrer par le gainage. Alors sur le gainage, il y aura 3 à 4 exercices par posture. On va démarrer sur des postures statiques. Face au sol, sur le côté et dos au sol. Donc il y aura sur chaque des trois composantes que je viens de citer, 3 à 4 exercices. On va partir d'un mouvement statique, figé, à un mouvement de plus en plus dynamique. Donc il faudra se mettre dedans assez rapidement. Mais ça va venir tout seul. Petite gorgée pour anticiper. Si vous avez quelque chose à boire, n'hésitez pas de le faire tout de suite. Pour le gainage, même chose, j'utilise un petit carré de serviette, ça suffit. Vous voyez qu'on travaille sur 3 mètres carrés. Et sur 3 mètres carrés, on peut faire une belle séance. Donc on y va. On va poser les pieds sur la serviette et mettre les avant-bras au sol, tout simplement ici. Voilà. Le but, c'est d'aligner le bassin avec les épaules et les chevilles. Donc on reste dans cette position. Pour l'instant, statique. Et après, on va travailler en dynamique. Voilà, on va se mettre ensuite sur le côté. Ça sera un petit peu plus court sur le côté parce que c'est un peu plus compliqué pour maintenir le bassin. Si c'est trop difficile, vous avez des variantes, par exemple ici, poser le genou. Voilà, là c'est beaucoup plus facile. Moi je le fais au bout, mais ça peut être sur le genou. Voilà, ne vous écrasez pas au niveau de l'épaule, ça c'est très important. Et hop, on va changer de côté. Soit on le fait de cette façon-là, mais j'aime pas vous tourner le dos, soit on le fait juste en tournant sur un demi-tour. Donc petit gainage latéral, ce sont les fessiers qui permettent de maintenir cette position. Donc on serre bien les fessiers. Si c'est trop dur, on pose le genou. Voilà, on se met dans la même position. Il y a toujours des variantes selon les positions. Et ensuite, on va se mettre sur le dos. Ici, on va travailler la partie ischio-jambier. C'est une grosse partie musculaire qui justement crée des tensions dans le dos. Et ça sera important, on le verra tout à l'heure, lors du travail abdominal, de justement en même temps étirer cette partie-là, qui souvent cause des problèmes, notamment au travail, et crée des arrêts de travail. C'est la principale cause d'arrêt de travail, le problème de dos. Donc il est important de s'étirer. Donc on maintient la position avec l'alignement, une jambe en l'air, tendue, soit cheville flex, soit cheville tendue. Voilà, et on aligne le bassin, les épaules et le genou. On maintient doucement. On repose et on change deux jambes, cette fois-ci, en évitant de poser les coudes au sol. Là, c'est un petit peu plus facile. Alors, si c'est trop dur, effectivement, posez les bras au sol. Et si c'est facile, vous mettez les mains ici sur le ventre. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1, top. Vous avez vu que ce mouvement permet de travailler les ischio-jambiers, un petit peu aussi les fessiers, ce qui est important, c'est une chaîne musculaire, c'est pas uniquement un muscle qui travaille tout seul. C'est comme dans la société, on est tous interactifs. Et pour les muscles, c'est pareil. Il y a un muscle qui travaille avec l'autre et c'est toute une chaîne musculaire, évidemment, qui permet de créer le mouvement. On a fait un premier tour, on va faire un deuxième tour, cette fois-ci en dynamique, en utilisant le bassin sur tous les trois exercices. On démarre ici, sur la même position que tout à l'heure. Et là, on va pousser en arrière. Jambes tendues. 1. 2. Vous voyez qu'on est face au sol et ce sont les abdominaux qui travaillent. 3. Principalement. 4. 5. Voilà, c'est pas la peine de faire des mouvements très rapides. On va se mettre sur le côté ici. Alors, soit les appuis sur les pieds, soit les appuis sur le genou, c'est plus facile. C'est comme vous voulez, selon votre niveau. Là, on va descendre et monter le bassin. 1,
2, sans s'écraser sur l'épaule. On repousse bien le sol avec l'épaule. 3, 4 et 5. Voilà, on passe de l'autre côté. Ça y est. Alors, je prends un peu plus de temps parce que j'ai eu des remarques pour la dernière fois, comme quoi c'était trop rapide et c'est normal, je comprends. Donc ici, voilà, on se met en position, on descend et on monte le bassin. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on essaye d'être tout en contrôle, c'est-à-dire que on n'est pas sur de la vitesse, on est vraiment sur du contrôle de mouvement, donc ça ne sert à rien de le faire rapidement, au contraire. On va se mettre ensuite en position sur le dos, donc toujours talon au sol, 90 degrés ou un petit peu moins. Plus on aura la jambe serrée, plus c'est facile, plus on va détendre la jambe et plus ça sera difficile et plus il y aura des efforts au niveau des ischio-jambiers, cette partie là. Donc là je me mets en position et de la même façon je vais utiliser l'amplitude du bassin pour monter et descendre. Donc je vais effleurer le sol en bas, j'effleure légèrement le sol et je me remets en position alignée. Voilà, 4, on va faire 5, 5, ok, on change, on aligne la jambe, les deux genoux, toujours, ça ne bouge pas, par contre le bassin va monter, 1, 2, 3, 4 et 5, ok, maintenant on va se remettre sur la position numéro 1, initiale, c'est-à-dire face au sol, et là on va utiliser les jambes pour tous les trois exercices qui vont venir, c'est à dire que dans cette position on va tendre les jambes et relever les jambes à chaque fois. 2, 3, c'est parti. 3, 2, 1, allez, 1, 2, on descend un petit peu le bassin. 3, 4, 5, ok, on change. On ne cambre pas, on rétroverse le bassin dans la position inverse. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Vous voyez qu'on est bien sur le gainage. Ici, sur le côté, on se met en position toujours. Et là, on va monter la jambe latéralement. Ici. 1, 2, 3. Si c'est trop dur, on se met sur le genou, ici. 4, 5, toujours aligné. Et un dernier, et 5, ok. On change. On se met sur l'autre côté, ici. Allez, 1, 2, vous en faites 2 à 5. 3, 4 et 5, ok. On repose tranquillement, toujours en contrôle. C'est le but du gainage, l'objectif, c'est pas de travailler sur des mouvements balistiques, c'est vraiment de contrôler toutes les parties du mouvement, sachant que souvent en musculation on donne l'impulsion au début, mais le muscle travaille que sur une toute petite partie puisqu'après c'est de l'inertie. L'objectif au contraire c'est de contrôler du début à la fin. Donc plus on va lentement, plus c'est compliqué et plus on va rapidement et plus c'est inefficace. Donc on va se mettre sur cette position, toujours pareil, talon, ici, on aligne, voilà. Et là, il n'y a que la jambe qui va travailler avec le bassin aligné, avec un petit étirement en haut, ici. Ok, on est prêt. 3, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on repose. Alors si c'est trop dur, vous ramenez le talon, ici c'est beaucoup plus facile que sur une position avec un angle ouvert sur la jambe qui maintient tout le poids du corps. Donc faites attention, ne vous faites pas mal. Donc on se met en position, allez, 1, 2, on va effleurer le sol en bas et on va faire un petit stretching out, 3, 4 et 5, ok. Donc là on a fait le tour. Lentement pour bien expliquer les choses et puis maintenant on va faire l'enchaînement sur tous ces exercices là mais de façon cette fois un peu plus rapide même si c'est comme je l'ai dit un peu moins efficace. Là, on va commencer à monter un petit peu en intensité pour
pour se préparer à ce qui nous attend pour la suite. Je vous laisse vous désaltérer un petit peu et on refait ce circuit de façon enchaînée, cette fois-ci sans les explications. Alors, n'hésitez pas à boire de l'eau du robinet, qui est, comme l'a enseigné une personne qui travaille dans la distribution de l'eau, l'eau du robinet est tracée. L'eau minérale n'est pas forcément tracée. Donc l'eau du robinet, à partir du moment où elle n'est pas trop calcaire, est bonne pour la santé. Donc n'hésitez pas à boire l'eau du robinet. Donc on va redémarrer. Toujours avec le petit tapis, soit vous mettez une grande serviette ou un grand tapis ou une petite serviette comme moi. Et puis on va démarrer. Attention, ça va être un petit peu plus intense. Donc on va se mettre d'abord en gainage face au sol, statique et après en dynamique. Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Bassin aligné. On va essayer de rester entre 20 et 30 secondes. Si c'est compliqué, vous serrez les fessiers et vous verrez que ça va tenir tout seul, ça va trembler un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, hop, on se met sur le côté. Pareil, on aligne bien bassin, cheville, épaule. Alors, si je le fais mal, n'hésitez pas. On maintient. Alors, 15 secondes sur le côté, ça suffit. Ça, c'est un petit peu plus dur. Voilà, vous le mettez au niveau des genoux, vous le faites au niveau des genoux si c'est trop dur. Ou ici, au niveau des chevilles, en alignant bien le bassin, on ne se laisse pas affaler vers le bas. Et on ne s'écrase pas sur l'épaule. Hop, bon, 15 secondes. On passe ici sur les ischio-jambiers. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop dur non plus. Hein, les ischio-jambiers sont plus fragiles que, par exemple, les quadriceps qui sont sur la partie avant. Les claquages se passent souvent en arrière, donc faites attention. Hop, 15 secondes aussi. On change. Ici, allez, on maintient. Toujours en rétroversion du bassin, on évite de cambrer. Ok, on enchaîne. Mobilité du bassin. Ici. Attention, vous êtes prêts. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on se met sur le côté. Ici, on s'aligne tranquillement. Alors, soit sur le genou, soit sur les chevilles. Ici, bassin. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, on passe de l'autre côté. On aligne bien le bassin, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose ici. Dos au sol, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On change ici. On aligne les deux genoux. Il n'y a que le bassin qui travaille. 2, 3, 4 et 5. Ok, on repart. Ça passe avec les jambes. On y va. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. On change de jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on passe sur le côté. Ici, on va travailler avec les jambes. 1, 2, 3. Mettez-vous sur le genou si c'est trop dur. 4 et 5. Ok, on change. Hop. Tout le monde est prêt? Allez, on se redresse. 1, 2, 3, 4 et 5. On se met sur le dos. Position ici. Allez. 1,
flex avant. 2, 3, on aligne bien le bassin. 4 et 5, on change. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On a fait le deuxième tour et dernier tour. On va récupérer un petit peu. Je vous laisse vous réhydrater et puis on va enchaîner sur le renforcement musculaire. Maintenant qui va être un petit peu plus péchu avec du renfort mais un petit peu aussi de montée de pas d'adrénaline mais cardiovasculaire. Et ça sera principalement pour la fin. Alors, vous avez sûrement des enfants avec vous. N'hésitez pas à les faire participer parce que ça va être très 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 long pour eux. La durée du confinement, évidemment, va être prolongée. Mais n'hésitez pas à gagner du temps sur cette partie physique qui est très importante, qui permet d'évacuer ne serait-ce qu'une heure. Une heure tous les deux jours, tous les trois jours, ou par jour pour certains, mais ce n'est pas nécessaire. Donc profitez vraiment de ces petits conseils qu'on vous donne, nous, coach, on essaye d'apporter notre pierre pas à l'édifice mais à la crise. Donc il faut vraiment, par les temps qui courent en ce moment, vraiment lorsqu'on est confiné, pratiquer physiquement, c'est très important. Bien, on va démarrer sur le renforcement. Donc il y aura trois parties à nouveau. On fonctionne toujours avec des chiffres de 3, 3 composantes, c'est facile à retenir. On va dissocier le corps en 3, le bas, le milieu et le haut. Donc on va d'abord utiliser le bas, faire des exercices de flexion sur une jambe, sur deux jambes. Utiliser la partie abdominale, la ceinture abdominale qui est très importante. C'est ce qui fixe la colonne vertébrale, le bassin, et c'est ce qui permet aussi d'avoir une certaine aisance, agilité au quotidien. Sachez que 90% de la communication passe par le physique, donc si on est à l'aise physiquement, ça sera beaucoup plus facile dans la relation humaine notamment, ce qui n'a pas été toujours mon cas. mais il n'y a pas d'âge pour progresser. Donc, sur cette partie-là, on va commencer par les jambes. Je vais vous expliquer un peu comme on l'a fait tout à l'heure sur le gainage. Ce qu'on va faire, on va le faire de façon très très simple au début. On va reprendre l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est des flexions au niveau des squats ici. Ensuite on fera des flexions sur une jambe ici et après on va se mobiliser sur des déplacements. Ça sera la partie jambe, la partie basse. Ensuite il y aura la partie abdominale. Pour la partie abdominale, on va faire 3 à 4 exercices. Donc le premier, ce sera un exercice de course interne ici avec un maintien des jambes verticales, jambes tendues, avec un travail sur les 10 derniers centimètres, voilà, pour étirer la partie postérieure des jambes et en même temps fixer la partie basse des abdominaux, notamment la partie périnéale, donc très important. Deuxième exercice, ça sera un exercice de rotateur, rotation ici avec croisement des mains. Je vais essayer de ne pas tomber ma bouteille d'eau. Voilà, ici un équilibre et on va tourner d'un côté et de l'autre. La troisième partie, je vais utiliser ma petite bouteille d'eau avec un travail de pédalage ici. Là, et chaque fois que j'aurai une jambe fléchie, je vais passer ma bouteille d'eau en dessous. Là, 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 là. Ça va donner une motivation supplémentaire pour rester en équilibre. Et pour essayer de passer cette bouteille d'eau à chaque fois qu'on va pédaler. Ensuite, il y aura la partie bras. Première partie très simple avec un travail de push-up, soit genou au sol, ça se fait très bien ici pour tout le monde. Soit corps tendu en gainage comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Après, il y aura une partie
flexion, extension, en arrière, flexion, extension, voilà, et après il y aura une partie, un travail sur une main où on va travailler la proprioception des appuis, soit en décalage, soit avec une main en l'air et une main posée. On y va, on va décomposer ça en trois mouvements, une partie basse, une partie médiane et une partie haute au niveau des bras. Alors, nous démarrons par les jambes. On va se mobiliser légèrement ici au niveau des appuis pour se préparer, pas perdre de temps. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Ok, on passe au sol, abdominaux. Ici, jambes tendues, cheville flex, buste relevé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous n'êtes pas obligé de faire 10, vous pouvez faire 2, 3, 4, 5 comme vous voulez. Partie ici des bras, donc soit genou posé. Là, ou corps tendu. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on se relève. On repart cette fois-ci sur une jambe ici. On se met main dans le dos. Une jambe relevée. Et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, on change, on passe à la jambe qui est toute neuve, qui n'a pas travaillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pareil, si c'est trop dur, vous restez position statique, immobile, et vous finissez l'exercice comme ça, ça me va. Il n'y a pas de souci, on repasse aux abdominaux. Donc on se met en équilibre. On croise les mains, position du volant, et on essaie de tourner sans poser les pieds au sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va se mettre sur les bras. Alors, on était sur une position bras tendus, on reste sur une position bras tendus. On va faire juste une petite flexion ici et un petit stretching en arrière, d'accord ? Sur les genoux, pareil, petite flexion et stretching derrière. Ok ? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok ? On va se mettre debout. On va travailler sur les jambes cette fois-ci, on va faire un petit pas sur le côté comme la dernière fois et on fléchit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours en position de combat, 8, 9 et 10, on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, oui, il y a toujours une petite surprise à la fin, c'est normal. On progresse, c'est la deuxième séance. Troisième séance, je prends ma petite bouteille d'eau, ce que j'ai sous la main. Je n'ai pas envie de prendre ma bouteille d'eau, je prends n'importe quoi, mes lunettes. Et là, on va faire un travail de pédalage, ici. Donc vous êtes sur la partie basse du dos. Vous allez commencer à pédaler à chaque fois. Passer l'objet sous la jambe fléchie. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on repasse sur les bras. Donc cette fois-ci, on va travailler sur les coudes comme tout à l'heure en position de gainage. D'accord ? Et ici, on va se redresser chaque fois sur les mains et redescendre à nouveau sous les coudes. Si c'est trop dur, on pose les genoux et on fait la même chose.
toujours en gainant le bassin et les abdos. Ok, on y va. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on va récupérer tranquillement et on fera un deuxième passage. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, j'ai mon écran de contrôle là. Je pourrais observer vos petites remarques, on est là pour échanger aussi. Alors Roland dit, j'avais compris que c'était prévu dimanche. Oui Roland, tu as raison, mais je l'ai rajouté. Je l'ai rajouté parce que ben, je pensais que c'était sympa de le faire en plus. Et puis je pense que plus ça va avancer, plus on va s'occuper aussi. Et voilà, ça fait partie de l'animation des personnes qui restent chez eux. Enfin, tous ceux qui restent chez eux. C'est-à-dire tout le monde. Donc plus on sera occupé, mieux ça sera. Voilà, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas. Je vois Patrick, je vois Franck, Petra, Mathias, Marie, Jérémy. Oh, Jérémy Andrieux, un ancien sportif de haut niveau. J'ai eu en équipe de France. Marie, Virginie, Henri, pareil, équipe de France de judo. Et puis ben, tous les autres que je ne peux pas citer. On va repartir sur la même formule. Alors, ce sont volontairement des exercices qui sont hyper simples, hyper basiques, que tout le monde peut faire. Il y a juste une question de nombre et d'intensité. Hein. Donc c'est à vous de régler. Mais ça ne doit pas être compliqué normalement. Si c'est trop dur, ben, vous avez des alternatives de toute façon. Donc n'hésitez pas à adapter, à vous arrêter pendant que je continue. Voire en faire plus ou plus vite pour certains qui vont trouver ça un petit peu light, mais pour moi ça doit convenir à tout le monde. Donc on y va, on commence par les demi squats sur la partie basse de jambes. 1, 2, 3, on accélère un petit peu, on a appris l'exercice. 5, 6, 7, l'important c'est de bien fixer la partie basse. 8, 9 et 10. Ok, on part sur les abdos. Ici, hop, allez, jambes tendues, buste relevé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on passe sur les bras. Alors, je pose volontairement les genoux comme ça, celles et ceux qui n'arrivent pas à faire l'exercice corps tendu pourront voir comment ça se passe. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, et pour ceux qui font corps tendu, c'est comme ça, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe sur une jambe, c'est parti, attention, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, et on reste un petit peu au dixième. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, on change, on se met à l'équilibre, toujours rétroversion du bassin, on évite de cambrer. Les mains dans le dos ou les mains ici pour créer un équilibre, hein, il n'y a pas de souci. Et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, attention à ton équilibre, Ellie. 7, 8, 9 et 10, on reste en bas. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on passe au abdos rotateur cette fois-ci. Ici, je vais faire face à la lumière, ça sera plus sympa. Équilibre, posture, et puis on croise les doigts. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, vous n'êtes pas obligé, 5, 6, 7, 8, 9, 1, vous n'êtes pas obligé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'en profite, personne ne peut me crier dessus. On va passer cette fois-ci au bras. Rappelez-vous, on se met, je vais inverser, voilà. Pas que ça glisse. Donc on va poser l'avant-bras et la main. D'accord ? Je vais le faire pareil à genoux pour celles et ceux qui le font à genoux. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, allez, 9 et 10. Ok, on repasse debout. Petit décalage, pas chassé. On y va. On ramène une jambe et on fléchit. On ramène une jambe, on fléchit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec le sourire, 9 et 10. Très bien, on passe aux abdos. On prend son petit ustensile. Ici. Allez, on se met sur le bas du dos. On relève le buste. On commence à pédaler doucement. 1, 2, 3, 4, 5. On va chercher loin. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va passer sur les bras. On va faire un nouvel exercice qui va être travailler le décalage ici sur le côté, comme on l'a fait debout au niveau des jambes. Là, on va le faire au niveau des bras. C'est une main qui chasse l'autre et on va descendre juste derrière. Ça donne ça. C'est 1, 2, 3. Voilà. Là, je suis sur les genoux. Et sinon, ben, vous pouvez faire court tendu. Je commence sur les genoux. 1. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. 1, 2, 3, 4. Ne lancez pas des tomates. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petite récupération. Allez, on voit un petit peu. Alors, je vois Mamadou, Flore Merlin. Comment vas-tu, Flore ? Karim Dali, toujours présent, ancien judoka, enfin toujours judoka. Pascal Savarin, les amis de la direction régionale jeunesse et sport, des amis incroyables. Silicar le Kabyle, tiens. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, je vous vois en direct. Donc, ça permet de voir où vous en êtes, comment ça se passe pour vous. Et puis. Voilà, tout simplement si les exercices vous sont adaptés. Franck Hermier qui dit « Dommage pour Gilles, les stations de ski sont fermées. » Mais je pense que Gilles est par là, si tu peux nous faire un petit coucou. Gilles Delamarre, toujours présent. Passeport pour l'emploi, toujours présent. Bravo. Myriam, ex-lycée Léonard de Vinci. Notre première intervention du Chisen Sport Truck à la création en 2018. Pardon. Et voilà, grâce à Myriam et à toute son équipe du lycée Léonard de Vinci, nous avons quelque part essaimé les lycées et les établissements scolaires de l'Île-de-France grâce à cette équipe-là.
Lieutenant Guy, au garde à vous, lieutenant. Voilà, Eva, je suis Ellie avec le compte d'Eva. Salut Ellie, j'espère que tu vas bien. Voilà, on est dans le prolongement des animations du dimanche matin au Racing Club de France. Anne Guillermier regarde, kiné, grand kiné, Anne. Aurélie, Cécile, toujours présente, ça fait du bien. Catherine Gendron, merci Catherine. Et Mamadou, évidemment, toujours au top. Mamadou, qui est notre référent Chizen Sport Truck, qui va dans les quartiers, qui a une incroyable qualité pédagogique auprès de ces jeunes qui sont un peu perdus, et qu'on arrive à ramener dans le bon chemin, par l'emploi, mais aussi par le sport, surtout. Voilà. On va continuer. Oui, Anne, j'ai passé l'aspirateur avant de faire la séance. Et puis, je vois Valérie David, de la DRISS. Alors, on va passer à une petite partie cardio, parce que ça permet de changer, d'évoluer un petit peu. On va reprendre les exercices de la dernière fois avec quelques nouveaux exercices. Bon, la dernière fois, on avait fait genoux, rotateur, travail de coordination un petit peu en mémorisant les barreaux d'une échelle. Et puis, on va rajouter un petit peu de jumping jack quand même. Bon, jumping jack, c'est ça. Voilà, et puis on va terminer sur du burpees. Donc vous le faites en fonction de vos capacités. Si vous êtes un petit peu malade, ne faites pas. Si vous avez des soucis de santé, ne faites pas. On le fait entre nous parce qu'on est pour l'instant en bonne santé. Mais mettez-le un petit peu de côté si vous avez des symptômes, pas forcément du corona, mais de grippe ou autre, parce que ça va monter un petit peu au niveau du cœur, pas énormément, mais un petit peu. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Je vais vérifier ça sur mon écran de contrôle qui est ici. Je vois que Valérie David n'est pas prête. Dominique Darbollet regarde, mais il est prêt, je pense. Je le vois qu'il est, il est pas dans sa piscine en ce moment quand même. Ça reste une photo. On va démarrer. Allez, on va commencer par la montée de genoux. J'ai retiré mes chaussures par rapport à la dernière fois parce que y a une personne de passeport pour l'emploi qui m'a dit « Mais on dirait que tu as des claquettes sur le parquet ». C'est vrai que c'est pas du vrai parquet, donc ça fait un peu de bruit, donc j'ai retiré mes chaussures. Comme ça, on est plus, on fait moins de bruit, notamment pour vos oreilles. On va commencer par le montée de genoux. C'est très simple, pareil, ce sont des exercices qui sont très très basiques, mais on peut faire des très belles séances avec ça. Allez, on y va, c'est parti. Allez, ça dure 15 secondes. Regardez le travail des bras, très important. Ça permet d'équilibrer le corps, moins se dépenser. Il reste 5 secondes, 3, 2, 1, rotateur, pareil, on travaille avec les bras, twist, 3, 4, 5, on continue, allez, jusqu'à 20 secondes cette fois-ci, c'est un peu plus facile. Allez, l'échelle, un pied chasse l'autre, toujours avec des bras. Une fois en avant, une fois en arrière. Sur le côté, trois, deux, un, ok, on va passer au jumping jack. Si on fléchit quand on monte les bras, c'est plus facile, comme quand on passe sous la barre de l'haltéro. On n'oublie pas de respirer, ça fait du bien. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1, on va passer maintenant au burpees. Alors pour celles et ceux qui ont du mal, vous descendez doucement ici et là vous remontez doucement. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, tac. Secondes. 2, 1. Ok, on récupère. Bon, le dernier exo, c'est le plus dur parce qu'il est complet. Les jambes travaillent beaucoup plus et donc ça monte davantage. Petite pause. Thank you.
Alors vous voyez qu'on a travaillé sur un espace de 2 mètres. 2 mètres sur 1, c'est 2 mètres carrés. Pour la petite histoire, je me répète, mais j'ai inventé ces exercices pour faire monter le cœur aux pilotes Formule 1, MotoGP. On était dans des mobil-homes où on n'avait pas forcément la place pour s'échauffer, dehors, et donc on utilisait des petits espaces comme ça pour bien faire monter le curseur avant la course et avant évidemment de récupérer pour les départs, donc, ce qui était assez intéressant et efficace. Voilà, après il y avait une phase de concentration pour évidemment se concentrer sur les stratégies de course. Donc ça, ça a été inventé il y a quelques temps en lien avec le problème d'espace. Et je dis toujours, un problème, une solution. Quand on est en difficulté, c'est là où on invente et on innove le plus. Et pareil pour la prise de risque. Si on ne prend pas des risques, la vie ne vaut pas d'être vécue, comme disait Sœur Emmanuel. J'ai retenu et c'est vrai. On va recommencer, si vous avez récupéré, dans 15 secondes. Allez, on se concentre comme au départ de la course. Et puis on démarre. Attention, 7 secondes. Je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors les voisins doivent se demander qu'est-ce que je fais. 5 secondes. Sauf s'ils participent. 3, 2, 1. Ok, rotateur. On récupère bien. 2, 3, 4, 5, 6. On accélère. 7, 8, 9 et 10. Ok, côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va descendre maintenant. Attention. Jumping jack, c'est parti. Allez, on descend. 2, 3, 4, 5. Je compte plus jusqu'à 15 secondes. 5, 3, 2, 1. Ok, on récupère un petit peu. Jumping jack, c'est parti. 3, 2, 1. Allez, on essaie de s'appliquer. 5 secondes. 4, et moi compris, ça c'est très dur pour moi aussi. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Oui, dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, les échecs, les périodes difficiles sont toujours des opportunités pour développer des choses. Quand on est blessé, ben, je pense surtout aux sportifs de haut niveau, ben, s'ils ont le haut, en incapacité, ils travaillent le bas, s'ils ont le bas, ils travaillent le haut. Là, c'est pareil dans la période actuelle, développons des projets pour plus tard. Ça va nous aider à passer ce cap-là. Et de toute façon, si on n'avait pas de projet, on va pouvoir en créer certains. On a la quelque part, entre guillemets, la chance de pouvoir se poser pour formaliser des choses. Voilà, donc ne voyez pas tout en noir, au contraire. Alors, si vous êtes ici, je pense que c'est pas le cas. Mais cette période peut être aussi une opportunité. Au-delà du lien et de la cohésion que ça peut procurer auprès des concitoyens. Petite récup, petite boisson, n'oubliez pas de boire régulièrement. On va repartir sur une troisième série. Il y en a certaines qui vont me haïr. Ah, je vois que Valérie a un petit souci
soucis de santé. David Meurant, champion de baseball, est avec nous. Élie, Aurélien, une personne incroyable. Quelle chance. Voilà, on récupère, on démarre dans une minute. Ça, c'est la partie, c'est la cerise sur le gâteau en fait. C'est là où on lâche tout. Alors, vous pouvez crier, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une partie où le corps s'exprime en intégralité, il n'y a pas de retenue. Et c'est pour ça que je recrute par le sport pour des métiers qui n'ont rien à voir avec le sport. Parce qu'au travers du sport, contrairement à un entretien de recrutement, on ne peut pas tricher. Et donc, on voit toutes les aspérités de la personne. La capacité à travailler ensemble, la capacité à se remettre en question, à surpasser. Et c'est vraiment aujourd'hui très intéressant aussi sur la partie recrutement. C'est pour ça que je le mets en place depuis un certain temps. Recrutement par le sport. On n'en est pas là. Aujourd'hui, on va travailler pour nous. Dans 15 secondes, on repart. On commence à se mobiliser pour ne pas partir trop violemment. Et vous voyez que c'est à chaque fois progressif. Montée de genoux, rotateur du bassin, jumping jacks, c'est un peu plus dur. Et après, on finit au fond du gouffre avec les burpees. Attention, 3, 2, 1, top. Pensez à la posture. Si le mouvement est élégant, c'est qu'il est bien fait. Ce qui n'est peut-être pas mon cas. Cinq, trois, deux, un, top. Allez, rotateur. Pour tous ceux qui peuvent pas aller au ski, Gilles par exemple, travaille tes rotateurs, Gilles, pour l'année prochaine. 5 secondes, 3, 2, 1, top. On passe au jumping jump. Marquez la position en bas, voilà. Allez, en bas, en bas, en bas. Allez, 5 secondes. 3, 2, avec le sourire. Hop, ok. On récupère légèrement, on est prêt. Et on finit là-dessus en sprint. Allez, c'est parti. C'est pas fini. La récupération fait partie de l'entraînement. Et le repos fait partie de l'entraînement. Donc, on va récupérer. Et après, il y aura un petit sens de stretching. Un petit peu comme on l'a fait au début. Pour bien garder ses protocoles en tête. Et en rajoutant peut-être un ou deux exercices complémentaires. Ouh. Petit secret entre nous, cette séance je la fais aussi parce que ça m'oblige à me bouger. Alors tout le monde pense que j'ai pas de main, mais si, des fois on a tendance aussi à se laisser aller. Et donc là, le fait de prendre rendez-vous avec vous, ça m'oblige à faire la séance. C'est comme quand vous avez rendez-vous avec un coach. Si vous avez rendez-vous avec personne, ben vous avez toutes les excuses pour annuler votre séance. Si vous avez rendez-vous avec le coach, au-delà de ce qu'il peut vous apporter, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est le rendez-vous. Si vous avez rendez-vous, vous le faites. Si vous n'avez pas rendez-vous, il y a une chance sur deux que vous annulez. Voilà, même si vous l'avez marqué sur votre agenda. Donc, c'est important d'avoir rendez-vous avec d'autres personnes pour faire la séance. Pour faire autre chose, mais pour faire la séance aussi. Et d'ailleurs, je parle beaucoup parce que je suis passionné, mais c'est important de le dire. Les séances en groupe, c'est le seul moment où les collaborateurs
avec qui on travaille dans les entreprises sont en mode avion. La séance de sport est le seul moment de la journée où les collaborateurs sont en mode avion, c'est-à-dire où ils n'ont pas d'écran. Donc c'est voilà, le sport sert aussi à ça et surtout à ça, au-delà du lien que ça peut procurer entre les services qui ne se parlent pas ou plus, télétravail aujourd'hui de plus en plus, encore plus en ce moment, mais en temps courant, en temps normal, aujourd'hui il y a beaucoup de télétravail. Donc les collaborateurs n'ont pas forcément l'occasion de se croiser, de se parler, d'échanger dans des moments qui ne sont pas forcément ceux du travail, sans le stress. Et deuxième chose, le sport est sociétal, comme on l'a dit au début, c'est l'éducation, c'est la relation, c'est la santé. Et puis troisième chose, c'est égalitaire. Dans une séance de sport, il n'y a pas le patron. Le patron participe au même titre que l'ouvrier qualifié, qui peut-être est meilleur que le patron à la séance de sport, où c'est toujours le plus fort qui est le plus faible. Et donc ça crée des relations assez incroyables, évidemment pour les patrons qui nous regardent, des indices de productivité avec des indicateurs assez importants. Voilà, j'arrête de parler de ça. On va passer aux étirements. Alors, j'ose pas m'essuyer avec la serviette qui a traîné par terre. Voilà, comme ça. Et puis, je vous laisserai commenter après. Alors, je vous demande de ne pas partir. Restez là. Les étirements, c'est hyper important. C'est le moment d'atterrissage où on se remet en phase avec la vraie vie, quelque part. Et ça permet aussi de mieux récupérer. Parce que sachez que demain, il y a aussi une nouvelle séance qui vous attend avec Stéphanie, comme c'était prévu, toujours à 11h. Moi, je vous retrouverai à lundi, toujours à 11h. Donc, on repart sur le même schéma que tout à l'heure, avec la fameuse serviette, le petit carré, ça suffit. Travail d'adducteur, on a beaucoup bossé sur cette partie-là, les abdos. Je sais que mesdames, vous êtes très friandes de cette partie, abdominale, fessiers, etc. Je pense que là, c'était objectif atteint. Mais il ne faut pas s'arrêter là, c'est qu'un début. Donc soyez fidèles aux séances qu'on fait, essayez en tout cas. Et puis même si vous n'avez pas envie, ça permet de casser un petit peu la routine de ces moments qui vont être très difficiles et très longs. Allez, on y va. Donc on va faire comme au début. Hop, deux genoux ici. On va pas faire le salut. On se met en fente avant ici et on pousse le bassin avant en rétroversion. Voilà, et là on se pose tranquillement juste sur l'élasticité des muscles et on vient inspirer et souffler pendant la rotation à l'opposé. Voilà. Ici. On se redresse un petit peu, on avance à nouveau et je travaille en rotation. On va rester sur la même position, on va inspirer. Vous allez voir que vous allez travailler, étirer certains muscles pendant la respiration parce que vous êtes en fermeture au niveau du buste. Voilà, là, pendant la respiration, j'étire certains muscles qui sont déjà bien à l'extension. La respiration permet aussi de faire ce travail là. Je me redresse. Jambes tendues, fesses en arrière légèrement. Voilà. Le buste plat vers l'avant. Je bloque le genou. Je n'appuie pas dessus. Je bloque uniquement le genou. Comme je ne sais pas quoi faire de mes mains, ben je les mets ici. Je suis bien dans l'axe. Je ne suis pas sur le côté. Hein, je suis bien dans l'axe ici. L'axe des hanches à 90 degrés par rapport à la jambe tendue. Et je me redresse. Tranquillement, je prends l'inspiration et je viens descendre, me laisser mourir sur le côté. Voilà. Vous voyez qu'au niveau de la souplesse, une fois qu'on est bien chaud musculairement et même mentalement, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc je mets les fesses en arrière, je descends bien. Je peux même descendre encore un peu plus. Ok. Là, je me redresse un petit peu. Je pose le genou sans bouger. L'ancrage au sol, au niveau du pied, c'est uniquement le bassin qui vient chercher le sol avec le genou. Et là, je ramène légèrement et je pousse en arrière. Et je fais un petit stretching au niveau du bassin. Voilà, je vais me redresser légèrement. Et je vais profiter de la position pour relâcher le dos. Ici.
Cette position est très 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 bonne pour le dos parce que on ne l'adopte jamais dans la journée, on est toujours assis. Assis, ça donne des tensions au niveau du dos, la position assise, donc faites attention. Donc là, on va arrondir le dos en ramenant le bassin vers l'avant, rétroversion complète du bassin. Je fais dos rond, comme on dit dans la vie. Dos rond, là, je contracte les abdos pour accentuer encore l'avancée du bassin et je relâche en inspirant. On souffle à nouveau, on va faire ça 3 fois, on contracte le bassin en totalité, on contracte les abdominaux pardon, pour ramener le bassin, on souffle, on relâche, on inspire, vous voyez que ça relâche bien le dos, c'est important, c'est trop rare dans la, enfin, j'espère, c'est trop rare de le faire dans la vie professionnelle, privée. Hop, et on refait la même chose en soufflant. On pousse les épaules en même temps, on relâche la tête. Et on expire. Ok. Ensuite, on va passer ici aux épaules qui en ont bien besoin. On a beaucoup travaillé sur le bas du corps, mais on a beaucoup travaillé aussi sur le haut du corps sans s'en rendre compte. Tout ce qui est montée de bras, même à vide, c'est assez contraignant. Et donc, c'est un vrai travail au niveau des épaules. Ok, on passe à l'épaule suivante. On essaie de 30 secondes, de rester 30 secondes à chaque fois. C'est le minimum syndical. Normalement, c'est plus, mais je pense que vous avez d'autres choses à faire. Ça n'empêche pas de le refaire dans la journée. Ok, là, de toute façon, on est aussi sur un travail d'amplitude articulaire. On a tendance à se recroqueviller, encore une fois en lien avec en raison des écrans, position assise, on ne bouge pas, les articulations sont un peu plus verrouillées, de plus en plus, l'arthrose avec l'âge, et donc on perd cette amplitude articulaire qu'on essaye de maintenir ou améliorer dans ces postures. Et si vous avez un protocole d'exercice un petit peu comme là, en étoile, c'est très facile de le faire, et plus on le fait, plus on a envie de le faire. Ok, on va se redresser tranquillement ici et on va repartir sur le côté opposé. Ah, je vais la ressortir cette blague. Vérification de la porte opposée. C'est normal, on radote avec l'âge. Allez, on avance, pente avant, rétroversion du bassin, ici bien droit, la poitrine dégagée. Position de combat, voilà, et on se laisse mourir vers l'avant, ici, et on va se mettre en opposition, hop, ici et là, voilà. On inspire bien, on souffle, et on relâche, tranquillement, on repositionne le dos, on revient vers l'avant à nouveau, on se laisse mourir vers l'avant, regardez le psoas iliac, il s'ancre ici, et ici, donc toute cette partie est importante pour étirer le bassin. On se met en opposition. Et dans la position, on inspire fort. Ok. Alors pourquoi le sport fait diminuer le stress dans la vie privée, dans la vie professionnelle? Parce qu'on travaille forcément à un moment donné la respiration. Et la respiration, comme je le disais sur la dernière séance, c'est ce qui stimule le système nerveux parasympathique qui permet de faire descendre le curseur du stress. Donc ça permet d'évacuer, ça permet de faire baisser le curseur. Mais il n'y a pas d'équivalent à ce niveau-là que la pratique sportive pour faire descendre le stress et en particulier au travail. Dernière posture. Alors ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on va se mettre ici. Voilà. On va remonter et mettre les mains sous la cuisse de la jambe tendue. On va relever ici, voilà, d'accord. Donc une fois qu'on a la jambe relevée ici, on va l'ancrer au sol, on va se positionner sur le côté et ramener la cuisse sur le côté, et là on va tirer le moyen fessier. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'il y a des kinés qui sont en train de faire la séance et je pense que je vais avoir droit à certaines remarques positives dans une démarche de progrès. Mais croyez-moi, le moyen fessier, il est bien là. Je le sens.
Ok, on relâche. On vient ici de l'autre côté. On vient ramener ici, voilà, la jambe. Et on va se mettre en position ici. Ok, on va garder la même position, mais cette fois-ci, on va se mettre sur le dos. Vous voyez, la jambe est croisée ici. Avec un espace, on va intégrer le bras du côté de la jambe fléchie à l'intérieur ici. Là, on va ramener la jambe. Tac. Voilà, pour étirer toujours pareil les fessiers. Une partie des fessiers qu'on n'arrivait jamais à étirer, notamment le moyen fessier, qui crée des tendinites, en particulier chez les dames. Donc, si vous courez, mesdames, vous faites du jogging, étirez-vous de cette façon pour éviter les tendinites sur le moyen fessier. Ok, on lâche et on passe. Hop là, on lâche ici. De l'autre côté, je fléchis. Je passe la main du côté de la jambe fléchie. Ici, et j'essaye de prendre la jambe et la cuisse en même temps et ramener vers moi. Voilà. Alors, si vous restez coincé, vous faites le 18. Évitez le 15. Bloc à part, c'est un étirement qui est très efficace pour le bassin, les fessiers, la tête fémorale aussi. Voilà. Bien, mais écoutez, bravo pour votre fidélité, pour avoir participé à cette séance qui n'était pas prévue. Hier, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire demain? Il n'y a aucun intérêt à rester sans rien faire, évidemment. Et donc, voilà, j'ai souhaité vous faire participer à cette séance. Donc, rappelez-vous, demain, 11h, rendez-vous avec Stéphanie sur la même chaîne. Et puis, moi, je vous retrouve demain, mais en back-office. Et puis, lundi, évidemment, à la même heure. Les horaires, c'est les jours sont lundi, mercredi et peut-être vendredi, d'ailleurs, la semaine prochaine et dimanche. Ce qui fera un déroulé de la semaine, sachant que le mercredi, ça sera yoga. À très bientôt, bonne récup, bon appétit, et j'étais ravi de faire ces séances avec vous.